Bonjour, mon nom est Bernard Beauchamp. Je suis l'ex-président de Tours Chanteclair. J'ai pris ma retraite très récemment, ce qui m'a donné assez de temps pour travailler sur ce magnifique ouvrage qui vous présente l'Europe en 50 circuits. Évidemment, en créant autant d'itinéraires, on a dû à un moment s'écarter des sentiers battus. On a donc tous les grands itinéraires classiques, l'Italie classique, l'Europe classique, la France, mais on a aussi des petits endroits moins courus que vous allez découvrir. En choisissant une région pour laquelle vous aurez peut-être certaines affinités, vous allez voir qu'effectivement, on a mis l'essentiel de cette région. Par exemple, vous allez en Angleterre, on a choisi un thème, les fleurs. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui n'aille en Angleterre et qui ne soit pas surpris, passionné par la belle nature et les fleurs. Ce qu'il y a de remarquable dans le guide, c'est qu'on n'a pas noyé avec des textes. L'emphase est mise sur les photos. Parce qu'une image vaut mille mots, n'est-ce pas? Alors, voir ce rêve, puisque c'est le titre, 50 itinéraires de rêve, c'est vraiment le rêve, c'est la photo. Dans un circuit type, on retrouve tout ce qui est essentiel à la visite de ce circuit. Je pense que ce livre s'adresse à tous les amateurs de voyage, quels qu'ils soient, et quels qu'ils soient leurs moyens financiers. Le but de ce livre, c'est de vous donner le goût de voyager. Je pense que c'est à partir du moment où vous feuilletez ce livre, que vous regardez les itinéraires, que vous regardez les paysages, que vous allez vous dire « comme j'ai le goût de voyager !» En Europe, l'année prochaine.